Non, je n'ai absolument aucun regret de ce qu'on a pu construire aujourd'hui. Si, parfois, j'en ai un. C'est que ça ne va pas assez vite à mon goût. Il vit 100 à l'heure, même à 200. Il vit même à 200 à l'heure, effectivement. Il faut pouvoir en effet le suivre. Jean-Louis a un instinct, un flair, et il est souvent là où on n'attend pas. C'est l'histoire d'un homme pressé. L'histoire d'un petit garçon qui rêve de devenir patron et qui le dit en classe. Ça fait rire ses camarades. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, il pèse 1000 emplois. En 20 ans, il a multiplié son chiffre d'affaires par 1000. T'as vu, on a bien bossé ce week-end. Oui. Hein, déjà, toi aussi. Hein, faut que tu dormes un peu aussi, parce que... Il n'y a pas de souci là-dessus. T'as vu dans les cellules de crise, un lundi matin. Nous sommes au siège de PGS à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Une hausse de 20% du prix du bois vient d'être annoncée ce week-end. Mauvaise nouvelle pour un fabricant de palettes qui consomme 600 000 mètres cubes de sillage par an. Quand vous allez voir un client pour augmenter les prix dans une conjoncture économique qui est difficile, c'est sûr que ce n'est pas une discussion très agréable en ce moment. C'est une discussion qui est compliquée. Mais d'un autre côté, il faut qu'on trouve des pistes d'économies qu'on peut proposer aux clients. Alors les économies, ça peut être avec des rationalisations de modèles, profiter du maillage dense que nous avons construit depuis 20 ans pour décaler des productions, c'est-à-dire que ça parte d'un site plus près du client pour diminuer les coûts de transport, voilà, de sorte de pondérer ces hausses. C'est un produit banal puisque ce ne sont que des planches et des pointes, mais c'est un produit indispensable pour l'activité, la logistique, l'économie. Sans palettes, le monde d'ailleurs n'existerait plus. Un monde économique sans palettes, ce n'est même plus envisageable puisque nos palettes arrivent directement sur les lignes de production de nos clients. Et si nous ne livrions plus, tout serait à l'arrêt. Les lignes de production, le transport, l'économie seraient au ralenti. Quand on a une soif d'entreprendre et que mon moteur à moi, c'est d'entreprendre tout le temps, la seule chose qui me manque, c'est du temps. Plus je gagne de temps, plus je peux entreprendre. En fait, c'est ça la course. Je considère être comme un sportif. C'est-à-dire que je suis entraîné de très longue date pour ça. Donc mon sport, c'est mon travail. Je suis capable de pas beaucoup dormir, pas beaucoup manger, d'avoir une grosse amplitude de travail et de pouvoir changer d'un dossier à un autre en quelques instants avec une belle mémoire photo. Ça, ce sont mes atouts. Mais si je ne courais pas tout le temps, je m'ennuierais. J'ai besoin de courir. Il faut trouver le bon curseur pour pas trop courir non plus. Les pilotes pourraient vous confirmer que je ne suis pas encore monté une seule fois devant, malgré les très beaux paysages qu'on peut voir, et que à peine monté, j'ouvre mon écran d'ordinateur et je travaille sur mes dossiers. Jean-Louis est né à Royan en 1966. Une éducation rigoureuse et attentionnée à la fois. Mes parents étaient en fait aux antipodes. J'avais plutôt une mère très protectrice de ses enfants, sachant que nous étions 6 dans la famille, 3 très grands, 3 plus petits. Moi, je suis le 5e de la famille. Et d'un autre côté, j'avais plutôt un père particulièrement sévère. Ce qui a forgé certainement d'ailleurs mon caractère, puisque je lui résistais très souvent. Et je me souviens d'ailleurs de me cacher parfois sous mon lit pour éviter qu'il m'attrape. Sinon, ça pouvait me valoir quelques sévères corrections, dirons-nous. Un jour, on m'a posé la question, quand je devais avoir 13-14 ans, de qu'est-ce que je ferais plus tard. Et moi, j'avais dit, quand je serai plus grand, je serai patron. Je me souviens avoir fait rire toute la classe qui s'était moquée de moi, surtout avec mon niveau scolaire de l'époque. La philosophie de mon père, c'était, de toute façon, l'école, ça sert à rien, tire à travailler. Donc, sur ce domaine-là, je l'ai particulièrement écouté, puisque je n'ai rien fait jusqu'à mes 16 ans, et je le reconnais. Et à 16 ans et un jour, je suis parti sur le monde du travail. C'est dans le port du Havre que Jean-Louis découvre le monde du travail. Il vend du parfum à l'exportation.
il apprend l'entreprise et devient indépendant. À Rouen, Jean-Louis revend 300 palettes usagées. Il découvre un marché. Il s'associera avec Gilles Herman, un ami qui a le permis poids lourd, lui. Jean-Louis Louvel a 26 ans. Nous sommes en 1993. Les débuts sont très difficiles quand, déjà, vous n'avez pas de formation. Vous avez une idée comme ça sur un produit. On ne peut plus basique, ça paraît simple, des planches, des pointes. Quand vous allez chercher de l'aide un petit peu financière, un prêt bancaire. Quant à l'époque, d'ailleurs, c'est parfois quelques petites absurdités qu'on peut avoir. C'est qu'il y avait une subvention pour les jeunes qui s'appelait le FDIJ. C'était 60 000 francs de subvention. Mais pour l'obtenir, il fallait à tout prix avoir un prêt de 20 000 francs. Et ce prêt, j'ai dû faire 18 établissements bancaires sur Rouen pour qu'un jour, un fameux monsieur de Roth me dise « Je vous sens bien, je vous sens très enthousiaste, les 20 000 francs, je vais vous les donner. » Grâce à ça, on a pu avoir les 60 000 francs de subvention et acheter notre premier camion d'occasion. À partir d'un produit basique, Jean-Louis Louvel veut pourtant innover. Il repère un marché atomisé, il va mailler le territoire. Un meilleur service, une stratégie d'entreprise, voilà le plus. J'ai un produit, palette bois, et en fait, il y a deux mondes diamétralement opposés qui sont la palette reconditionnée, là où je suis né, et puis la fabrication de palettes, un monde industriel. Le reconditionnement, c'est du savoir-faire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est le même produit. Quand je vais voir un client, bien souvent, il me demande des palettes neuves ou des palettes reconditionnées. Des fois, les deux. Et donc, c'est pour ça qu'en l'an 2000, nous sommes passés fabricants. Ce qui ne s'est jamais vu, d'ailleurs, dans notre activité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toujours 13 ans plus tard, nous sommes les seuls, toujours en France, à avoir parfaitement intégré ces deux métiers. L'homme du bois devient l'homme des bois. Suite aux tempêtes, des arbres arrachés deviennent matière première pour les palettes. Il rachète les établissements Bénel en 2009. 620 000 tonnes y sont stockées à Salles, dans les Landes, sur la plus grande plateforme de stockage de bois de tempête de France. La Syrie, c'est la deuxième étape. Mais un exploitant forestier sommeille en lui. Je suis un producteur, je ne touche jamais aux forêts naturelles. Vous voyez cet arbre, ce bel arbre, je ne l'abattrai pas. Je n'ai que des forêts de production. Et quand on abat un arbre pour faire des sillages, pour fabriquer nos palettes, à chaque fois, on en replante deux. Un premier qui sera coupé dans 8 à 12 ans, qui s'appelle une coupe d'éclaircie, c'est-à-dire que ça va servir à la papeterie, à l'énergie. Et puis le second, qu'on va laisser dans ce cas-là pousser, puisque moi, ma récolte, en revanche, c'est dans 30-35 ans. Donc j'ai intérêt à avoir une gestion particulièrement durable. Ouais. Quand le rendez-vous, chef? Ce serait 7 janvier. Ah, janvier, ça va mieux, janvier. En plus, à cette période-là, les clients ne sont possible, pas disponibles. Parce que je savais que... Okay, chef, il va falloir m'attendre. Alors, c'est un patron parfaitement atypique. Hein, donc, on le voit dans nos relations, dans notre manière de communiquer. Il est toujours accessible. Hein, 24 heures sur 24, quasiment. Hein, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est en fait très très proche de ses collaborateurs. Jean-Louis, c'est un manager à l'écoute de ses collaborateurs qui donne une impulsion, qui arrive à emmener son équipe vers là où il veut nous emmener. PGS n'aurait jamais pu réussir et se développer si je n'avais pas une équipe formidable. Alors pour avoir une équipe formidable, c'est qu'ils attendent d'avoir un capitaine à la barre, évidemment du navire, même dans des périodes un petit peu tourmentées comme on a connu depuis 2009. Tous mes collaborateurs, donc j'y suis attaché, j'ai donc très peu de turnover, je ne leur impose aucun rythme de travail, c'est eux qui choisissent en fonction de leur choix de vie. Ce qui veut donc dire que par exemple, vous ne trouverez chez moi personne qui vous dira que j'ai eu une mutation, je leur ai imposé une mutation, que j'ai imposé des heures supplémentaires, je ne cherche que du volontariat. Vous voyez, à la taille de 1000 collaborateurs, je n'ai toujours pas de syndicat, j'ai rien contre puisque la loi le permet, mais pour moi ça veut donc dire qu'aujourd'hui encore, je suis très attentif et surtout à leur écoute. Avec le peu de temps qui me reste, donc j'ai une passion, c'est de collectionner les livres Hetzel Jules Verne. Ce sont des ouvrages qui ont 100, 120 ans, avec une multitude en fait, de cartonnages dans plein de déclinaisons, plein de couleurs différentes.
Le personnage de Jules Verne est un personnage passionnant puisqu'il était précurseur dans plein de domaines avec une imagination débordante, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs en termes d'entrepreneuriat en tant que chef d'entreprise. Donc c'est sûr qu'on y retrouve certains points communs. Je pense que c'était aussi quelqu'un à l'époque à qui on a dit « ça va être difficile, c'est totalement irréaliste, peut-être tu n'y arriveras pas, etc. » Ce qu'on retrouve dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce que j'ai entendu plein de fois, et malgré tout, comme quoi, on peut réussir, on peut avancer. L'idée, en fait, c'était donc pour se démarquer de la concurrence, on est parti sur l'idée de faire un produit à double usage et personnalisable. Et face à face entre des étudiants d'une école de commerce à Rouen et le chef d'entreprise. Une fois qu'on a dessiné nos plans. Ils sont à une semaine d'un jury. Jean-Louis Louvel leur offre comme une séance de training. C'est la conclusion d'un partenariat entre l'entreprise et l'école Neoma. Transformer en ceinture. Leur accorder du temps, ça me fait. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ça me fait beaucoup de bien. Je leur prends un peu d'énergie d'ailleurs, parce que dès que vous côtoyez des jeunes, je peux leur prendre de l'énergie. Donc c'est très bien prêt pour moi, ça, c'est très utile. Je fais ce que j'aurais bien aimé qu'on me fasse à l'époque. Si j'avais eu un petit coup de pouce de quelqu'un, un peu comme je suis en train de faire aujourd'hui, c'est sûr qu'à mon avis d'ailleurs, notre entreprise, on l'aurait fait évoluer beaucoup plus rapidement. Encore. L'obsession de Jean-Louis Louvel, la croissance et le développement à l'international. Malgré la crise, il multiplie par deux son chiffre d'affaires tous les 4 ans, 170 millions d'euros en 2013. Objectif, 1 milliard dans 10 ans. On me parle souvent de chiffre d'affaires. Pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bon reflet de la taille d'une entreprise. Ma plus grande fierté, j'en ai qu'une, une que je revendique pouvoir exprimer, c'est d'avoir démarré à 3 la première année, 7 la deuxième. Et aujourd'hui, pour nos 20 ans, j'avais dit qu'on aurait 1000 collaborateurs et on aura 1000 collaborateurs. Ici, c'est mon bureau. Alors, contrairement aux apparences, vous pouvez me demander un papier d'il y a 4 ou 5 ans. Je vais vous le retrouver tout de suite dans 2 secondes. Il me faut que 2 secondes. J'ai une mémoire photo. En revanche, par contre, c'est le bureau interdit. La femme de ménage a juste un chemin où elle peut intervenir et personne ne doit me déplacer le moindre papier. Auquel cas, si on me le déplace, j'aurai un petit peu de mal à le retrouver.